au nord, leur mobilisation est totale. Des centaines de milliers d'entre elles ont répondu à l'appel des campagnes d'enrôlement. Érigées en patriotes héroïques, elles vont affronter l'angoisse, la faim, le froid, mais aussi la violence et le feu de l'ennemi. Une de leurs camarades témoigne de leur implication. Elles étaient aussi dures que de vieux grognards aguerris. Elles gueulaient des ordres et portaient leurs armes comme les filles de Saïgon portent leurs bijoux. Les très jeunes filles, le plus souvent d'origine paysanne, sont-elles intégrées au bataillon des jeunesses de choc? Affectées notamment à l'entretien de la piste aux Chimines, elles vont traverser le conflit avec pour seul bagage un idéal et des pelles ou des pioches. D'autres enfin, assignées à la production industrielle, quitteront leur foyer pour étoffer les rangs des milices de défense. Au sud aussi, les femmes portent le fardeau de la guerre. Alors que certaines rejoignent le corps féminin des forces armées, d'autres s'engagent dans la milice pour une question de survie. L'une d'elles avoue. Ce sont les viols qui m'ont fait comprendre le vrai visage de cette guerre. J'ai senti que pour défendre ma propre vie et celle des miens, je n'avais pas d'autre choix que de rejoindre les autres femmes au combat.